et même dans une nouvelle vidéo. Vous voyez dans le titre, c'est une vidéo Chine. C'est une vidéo Chine spéciale merdouille. On va dire ça comme ça. J'ai acheté beaucoup de merdouille pour Chine. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, au niveau des merdouilles, je me suis pris la tête quand même. Parce que j'ai déjà tout ouvert pour vous éviter les petits bruits relous, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai déjà tout ouverte et puis c'est parti. Je vais pas vous donner les prix au fur et à mesure parce que grosso modo, les articles les plus chers, j'en ai eu pour... Alors, il y en a peut-être un à 4€, ensuite c'est 3€, et ensuite c'est moins d'1€, grosso modo. J'en ai eu pour tout ça, j'en ai eu pour 66€. Donc il y a énormément de choses, c'est pas très cher. Et puis voilà. Alors en premier, j'ai pris... La chouette, j'ai été influencée par Lady Blog. Elle avait acheté cette chouette et du coup, j'étais obligée. C'est ça, tu vois, l'article le plus cher, je crois que c'est celui-là qui coûte. Et ma chouquette qui est juste là. On peut te donner des petits pics, c'est exactement ça. Donc en fait, grosso modo, cette petite chouette qui est trop mignonne. Alors par contre, les couleurs sont aléatoires. Tu mets des cure-dents ici. C'est fourni, attention, avec un cure-dent. Un cure-dent, donc tu mets tes cure-dents là. Ok. Et ensuite, quand tu appuies là, hop, t'as ton cure-dent. T'as ton petit cure-dent comme ça, qui sort. Bah oui, c'est rigolo. Bah là, j'en ai deux pour le prix d'un. Tu vois un peu l'idée. Voilà, la petite chouette. J'étais obligée, je sais pas pourquoi, mais j'étais obligée de prendre cette petite chouette que je trouve très mignonne. Par contre, voilà, c'était pas... voilà, si j'avais dû choisir le modèle, c'est pas forcément celui-là sur lequel je me serais attardée, mais c'est très mignon. Par contre, ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place, et puis ça, pas laisser à la portée des enfants, mais plutôt, je pense que je vais le mettre en haut dans ma cuisine. Je pense qu'on va partir... je pense qu'on va partir comme ça. Bon, la petite chouette, elle était dans son petit emballage. Ensuite, j'ai acheté pour ma petite chouquette qui est juste là, j'ai pris un petit nœud. Donc, tu vois, toutes les petites conneries pour la chouquette et tout, c'était moins d'1€. Donc par contre, la qualité est... je dirais que c'est de la bonne qualité AliExpress. Pour te situer un petit peu niveau de la qualité. Ici, donc c'est un petit nœud qui est collé juste là. Alors sur AliExpress, souvent les nœuds, ils sont juste collés et il n'y a pas de nœud qui fait le tour. Tu vois un peu l'idée. Donc il est comme ça, trop mignon. Il me fait penser à Blanche-Neige. Moi personnellement, ça me fait grave penser à Blanche-Neige. Il est très mignon, voilà, il reste très... voilà, la qualité est pas ouf. Mais j'avais envie de tester, en fait. Je suis en partenariat avec Chine, mais là, c'est moi qui ai payé avec mes petits soins, moi. Mais j'avais envie de tester les petites conneries, de voir les petites merdouilles, combien, ce que ça donnait, et au niveau de la qualité. Il y a des choses, je suis contente, il y a des choses, je suis un peu déçue, il y a des choses, après, je me dis, ah, pour les prix, hein, qu'est-ce que tu veux, à quoi t'attendre, à quoi. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Ensuite, j'ai pris une petite tour comme ceci pour mettre les rouges à lèvres. Vous avez 3, 6, 8, 9, 10, 11. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Je fais n'importe quoi. Mais une petite suie comme ça pour mettre 10 rouges à lèvres. Alors, tu peux... Bah non, tu peux pas les mettre les uns sur les autres. Non, tu peux pas les assembler. Si tu fais comme ça, peut-être que tu peux les mettre plusieurs niveaux. Je sais pas, mais vu qu'il y a ce pic-là, ce petit truc-là, je sais pas. Hop! Ça aussi, voilà, c'était un truc qui coûtait le plus cher. Par contre, il est plutôt épais, donc c'est bien pour mettre les petits rouges à lèvres classiques, basiques, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de rouges à lèvres. J'ai pris ça. J'ai pris ensuite, hop, des petites crevettes, comme ceci. Alors, par contre, petites crevettes, j'étais un peu déçue parce que c'est une espèce de, pas de la céramique, mais c'est du plastique, mais dur. Elles ont été reçues, il y en avait une qui avait la queue de cassé, et il y en avait une autre qui avait au niveau des... je sais pas comment ça s'appelle, mais d'ici, bah, c'était cassé, donc je les ai recollées. Elles sont super mignonnes, elles étaient vendues par deux. Elles sont trop choutes. Elles sont trop choutes, et ça, c'est pour un petit délire. Un petit délire de clovettos. Ensuite, pour faire un cadeau, j'ai pris des petits accessoires comme ça. Et c'est là où je suis un petit peu déçue, parce que franchement, alors oui, ça coûte pas cher, mais c'est pas une qualité de fifou. Et sur le site, c'est un peu dur, en fait, de se rendre compte de la qualité, sauf si tu vas voir les avis et tout. Mais en fait, ça, c'est grosso modo un accessoire pour mettre, pour étaler le masque, tu vois. Mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il s'enlève super facilement. Alors d'un côté c'est bien pour pouvoir le laver et tout, mais moi j'aurais préféré qu'il soit comme le mien, mon Yes Too, qu'il soit accroché, parce que tu vois, du coup ça rend le truc vachement flex. Donc tu vois, pour mettre les masques un petit peu durs, un petit peu gluants, je sais pas si ça va être l'idéal. Et tu vois, la qualité, elle est pas fifou. Cette partie là, c'est une partie pour te gommer un petit peu plus. Tu vois, c'est des petits picots comme ça. Mais la qualité est pas dingue. La qualité est pas dingue. Voilà, c'est existé en plusieurs coloris.
J'ai pris deux motifs roses et j'ai pris un motif un petit peu violet comme ceci. Mais tu vois, genre ça, voilà, je suis un peu déçue de la qualité. Ça, c'est la même chose que AliExpress. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, bah, AliExpress, Chine, c'est le même combat, tout ce que tu veux. Mais bon, voilà. Ensuite, par contre, là, je suis contente de la qualité. Je me suis pris un petit bonnet comme ceci pour moi. Un bonnet noir, hein, vraiment classique, basique. Merci. La chouette, je pense qu'elle va faire des remarques sur tous les trucs. Donc voilà, un petit bonnet vraiment. Hop, classique, voilà, on dirait, je suis belle comme ça, on dirait un petit ramoneur, mais voilà, ça fera très très bien le job. C'est quand des fois j'ai froid au niveau de la tête, ça sera nickel chrome. Ensuite, là, très très content de la qualité aussi, je me suis pris un cache-cou comme ceci, un petit cache-cou, et il est top parce qu'il est moumouté. Et ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment tout doux. De la douceur de ouf. Les petits cache-cou, c'est nickel chrome quand t'as, quand tu dois faire une petite marche ou ce genre de choses et que tu as un manteau qui ne te protège pas forcément le cou. Très, très bien. Là, un petit truc avec la marque. Mais franchement, celui-là, il est nickel chrome. Il est vraiment. Après, il est classique. T'as pas de fermeture. Ça te fait pas. Parce que tu as des cache-cou qui te font aussi bonnet en même temps si tu resserres ici. Mais voilà. Celui-là, il est classique, basique. Mais il est quand même molletonné. Donc ça, c'est super top. Je me suis pris ensuite. Il est où ton petit doudou? À toi. En a un, fais voir. J'ai pris des petites serviettes, mais honnêtement, elles sont vachement petites. Alors, en premier, j'ai pris une petite serviette comme ceci, mais tu vois, c'est serviette de quand tu t'essuies les mains vite fait, mais franchement, elle reste toute petite, très très douce. Mais c'est ma chouquette qui l'a gardée, qui le veut. Donc, je mets un petit peu parfum dessus et elle kiffe. Donc, elle est comme ceci. Par contre, là, au niveau de la qualité, ah si, c'est cousu quand même. Non, j'ai l'impression que c'est pas cousu, c'est juste collé. Et tu vois là. Il y a la petite, celui qui commence déjà à partir là au niveau d'ici. Et nous, il est juste cousu, donc plusieurs lavages et je pense que ça part. Et là, Chouquette, elle le garde parce qu'elle trouve que ça fait que ça. C'est vrai que ça ressemble à un petit doudou. Elle le garde. Et ça, le lapin, tiens, je te donne celui-là. Et là, pareil, c'était des couleurs aléatoires. Donc c'est un petit peu dommage que tu puisses pas choisir. J'ai pris le même sort, mais ça, c'est pour offrir. Donc c'est pas pour toi, ma Chouquette, désolée. C'est pour offrir un petit. Pas un doudou, mais une petite serviette comme ceci en forme de lapin. Voilà, c'est exactement le même principe. Non, c'est pas pour moi, ma chouquette. Ensuite, j'ai pris, je peux pas le dire. Ensuite, je me suis pris des chaussettes comme ceci. Bah, j'y trouve trop belles. C'est des chaussettes piute, franchement. C'est des chaussettes piute, je les trouve trop belles. Des chaussettes petits canards. Elles sont. En fait, à l'intérieur, c'est là. Mais ça, c'est un peu chiant, parce qu'à l'intérieur, elles sont comme ça. Donc ça, c'est chiant. C'est des fois, quand t'as les ongles pas super bien, super bien fait, bah ça, t'as les petits yeux qui te rentrent dans les pieds. Donc ça, c'est un peu relou. Voilà, la qualité est pas ouf à l'intérieur, mais à l'extérieur, voilà. À l'extérieur, elles sont super jolies. Donc je suis plutôt contente de ces petites chaussettes, ces petites chaussettes pute. J'ai pris plein d'autres chaussettes. J'en ai pris des comme ça, des petites chaussettes pingouins. Elles sont trop belles et franchement, à l'intérieur, c'est exactement le même délire. Hop, ça donne ça. Je les trouve trop belles. Et chaussettes pingouins, franchement, elles sont super jolies. Ensuite, que j'ai pris pour ma chouquette, si elle est gentille, j'ai pris. Ah, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, ce sera pour moi. Mais j'ai pris un petit assortiment comme ceci, licorne. Donc, vous avez un petit bracelet comme ceci. Mais ça, franchement, c'était vraiment pas cher, c'était 2 balles. Un petit bracelet comme ceci, je le trouve vraiment trop beau. Vous avez des boules d'oreilles également. Mais par contre, les boules d'oreilles, c'est des boules d'oreilles avec des. Il n'y a pas de boule d'oreille que tu puisses mettre sans avoir les oreilles percées, c'est un peu dommage. Donc ça, ce sont des boules d'oreilles avec les oreilles percées. Et vous avez une petite bague aussi, qui est trop jolie. Moi, je vais mettre les boules d'oreilles. Tu veux ça? Oui, mais tu vas être gentil. En fait, à chaque fois, je coupe parce que la chouquette, elle part beaucoup. Elle ne veut pas faire de sieste. Et donc, du coup, elle part beaucoup, la petite chouquette. Ensuite, pour un délire, j'ai pris trois paires de chaussettes comme ceci. Trois paires de chaussettes, pareil, des chaussettes crevettes. Je les trouve super jolies. Alors, vous avez un petit machin là pour garder les chaussettes. Franchement, je les trouve trop belles. Et c'est rare de trouver des chaussettes crevettes. Personne ne trouve des chaussettes crevettes. Je les trouve trop belles. Je les trouve trop belles. Donc, je suis super contente de mon achat. Et elles étaient fournies à chaque fois pour les chaussettes. Tous les trucs étaient emballés dans des sachets différents. Et tu vois, par exemple, pour les chaussettes, tu as un petit pochon comme ça. Petit chausson de pochette. Ce produit, je le trouve vraiment très, très, très bien. Je vous ai gardé le packaging pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de l'emballage. Hop. Ah non, autant pour moi. C'est pas celui-là. Je me suis pris une petite éponge pour le fond de teint. Alors, c'est vrai que ça, là, j'avais commandé il y a longtemps sur AliExpress. Au final, je l'avais pas utilisé, donc au final je l'ai pas gardé. Hop, elle se présente comme ceci. Et en fait, c'est une éponge un peu comme les grosses brosses qu'il y avait comme ça. Mais une éponge comme ceci de la marque Shiglom. Pour tout simplement, alors c'est bien parce que tu peux bien la tenir, tout simplement pour mettre le fond de teint. Tu vois un peu l'idée.
Et il y a énormément la densification, hein. La densité du poil. C'est juste ouf. Voilà, au pire, hein, si t'en veux plus, tu peux t'en servir pour laver tes casseroles. Voilà, j'ai envie de te dire, double emploi. Par contre, à chaque fois, je galère de ouf parce que je ne sais jamais. Ça va, autant pour moi. J'arrivais jamais à l'arranger. Donc ça, c'est super chouette. Ensuite, je me suis pris pour moi des écouteurs. J'avais envie de tester. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale écouteurs Chine, encore une autre. Mais celles-là, ce sont des écouteurs filaires. Alors, je vous ai gardé la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, quand il y a la boîte, ils sont comme ceci. Dans la petite boîte, et c'est vraiment des écouteurs qui ressemblent trait pour trait aux écouteurs iPhone, comme ceci. Hop, classique basique, et à voir ce que ça va donner s'ils sont pas trop, si le son n'est pas trop fort, s'ils fonctionnent bien. Voilà, nickel, cool. Des petits écouteurs comme ça. C'est trop cool. Je suis contente et j'ai hâte de les essayer parce que moi j'ai des écouteurs qui commencent à rendre l'âme. Voilà, par contre, au niveau de l'emballage, c'est pas un truc de fifou malade. Mais ça va, ça va, ça va, ça va, Sénat, ça va le faire carrément. Ensuite, je me suis repris des faux ongles comme ceci. J'en ai pris 3 pochés, ça c'était 1,20€ si je dis pas de bêtises. Je vous les avais déjà montrés dans une ancienne vidéo Chine et franchement, je vous les ai montrés sur mes vlogs, ils sont très très bien. Seul truc qui est chiant, mais c'est pas de leur faute. Là, vous avez, pour les pouvoir les mettre, vous avez des espèces de double face. Moi, je trouve que ça saute super facilement, donc du coup, je mets cela avec de la colle. Ils sont nickel chrome parce que tu vois pas tes ongles derrière en transparence, donc ceux-là franchement ils sont nickel chrome, et donc pour preuve j'en ai pris carrément 3 battes parce que je les trouve vraiment bien. Ensuite je me suis pris, tu vois, j'ai des gants, je me suis pris des gants comme ceci, donc des gants pour adultes classiques basiques. J'ai l'impression que le bout là te permet, et tactile en fait, donc du coup qui te permet de pouvoir, ah bon, on va voir ça tout de suite, de pouvoir utiliser ton téléphone. Hop. Oui, c'est ça. Ça te permet. Et le pouce aussi. Ouais. On est sur TikTok, les gars. Non, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf, ouf, ouf. Mais normalement, ça te permet d'utiliser ton téléphone. Mais voilà, c'est pas fifou. C'est pas fifou de chez fifou. Non, c'est vraiment pas fifou. C'est vraiment pas fifou au niveau de la qualité. Très très bien. Par contre, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a cette espèce de truc là. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est bon, ça va le faire. Je vais le découdre. Mais en fait, non, tu peux pas le découdre parce qu'il est collé. Hop, ça va. Parce que moi, en fait, je voulais qu'il soit blanc. Vraiment blanc classique de chez... Ah non, j'ai la poulette. Bon, c'est pas grave. Limite, je préfère avoir un point de colle plutôt que ça. Parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment gros, hein. C'est vraiment gros, c'est pas terrible, terrible. Hop. Bon, je pense qu'en l'enlevant bien, ça peut le faire carrément, parce que du coup, à la fin, t'as un point de colle comme ceci. Mais je pense qu'avec une petite pince à épiler, tu peux faire en sorte de plus rien avoir. Alors bien sûr, après, t'abîmes un petit peu la matière, mais voilà, je préfère plus qu'il n'y ait rien dessus plutôt qu'un gros truc comme ça, que je trouve pas super joli. Après, ils sont bien, ils ont l'air, honnêtement, ils ont l'air bien chauds. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, encore des chaussettes. Ah bah oui, on est parti dans les chaussettes. J'ai pris des chaussettes caca. Des chaussettes caca avec des petits confettis. Voilà, très joli. Après les chaussettes pingouins, on a des chaussettes caca. J'ai ensuite pris des chaussettes frites. Comme ceci, voilà. Des chaussettes frites. Ensuite, un autre petit doudou comme ceci. Donc, tu vois, c'est une autre couleur. C'est exactement la même chose que l'autre. Pareil, c'est collé. Voilà, il y a le petit truc pour mettre la serviette comme ceci. Très mignon. Mignon tout plein. Je me suis laissée tenter. Maintenant, j'ai un chat. Tout le monde veut m'embêter aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris pour la chouquette des petites barrettes comme ceci que je trouvais super mignonnes. Enfin, celle qui les a choisies. On s'est posé une fois. Elle a regardé avec moi. Après, le nœud est pas fifou. Et ça, pareil. Franchement, c'est du AliExpress de ouf parce que... Enfin, c'est pas du AliExpress, on le sait, mais c'est collé. Tu vois, donc je sais pas si ça va tenir de ouf dans le temps. C'est très joli. Après, le nœud, ça reste une pince... un peu à la one again, tu vois, vu le prix, on peut pas demander beaucoup. Elle reste jolie, même si voilà, c'est pas une qualité de ouf, fifou malade. J'ai pris ensuite pour la chouquette, j'ai pris un petit collier licorne comme ceci, très joli aussi. Par contre, voilà, si tu tires dessus, c'est sûr qu'il se pète, c'est sûr que c'est comme Capri, c'est fini pour toi. Et tu vois, tous les objets que j'ai achetés étaient dans des petits sachets comme ceci qui font beaucoup de bruit, d'où l'intérêt de les.
de vous ouvrir avant tout, avant que ça fasse énormément de bruit, j'ai acheté ensuite énormément de petites houppettes parce que j'utilise une poudre libre et en fait c'était vraiment pas facile. Hop, c'était vraiment pas facile de se rendre compte de l'épaisseur et de la à quel point ils étaient denses. Donc il y en a vraiment énormément. J'ai craqué mon slip pour des houppettes. Donc il y en a des comme ceci, mais en fait honnêtement c'est toutes les mêmes. Hop, elles sont toutes petites comme ça et elles ont une espèce de petite comme ça, comme ceci. Dites-moi si vous utilisez des houppettes comme ça et lesquelles vous utilisez et si vous en avez des bonnes, est-ce que ça prend bien la matière ou pas. Donc celle-là. Ensuite, je sais pas où je vais mettre ça, je suis un peu perdue. Ensuite, j'en ai pris un autre lot comme ceci, je crois qu'il y en a 4 à l'intérieur. Et là, vous avez différentes sortes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, alors, quelle est la différence? Parce qu'il y en a... Ah, vous avez, ok, vous avez différentes sortes et vous avez différentes formes. Il y en a 6 au total. Il y en a qui sont comme ceci. Ah ouais, ok, ah non, vous en avez une carrée. Vous en avez une un peu en mode petite goutte. Vous en avez une ronde comme ceci. Par contre, c'est pas la même... Non, c'est pas la même matière que ça. Ok, vous en avez plusieurs qui sont toutes douces. Et ça, je pense que c'est celles-là qui vont être que je vais kiffer. Celles-là, elles font un peu plus quali. Elles sont en tissu vraiment... En tissu vraiment tout doux. Donc ça, je pense que ça va être grave agréable. Et je pense que je vais plus utiliser celle-là plutôt que les autres. Je pense que je peux mettre les 4 là-dedans. les 3 autres dedans. Donc voilà, un petit pochet comme ceci. J'ai pris aussi pour la chouquette des petits nœuds comme ça. Donc c'est exactement les mêmes que les autres, sauf que ceux-là, ils sont un peu plus beige. J'ai pris ensuite... Hop, le sachet, on aime, on adore. C'est bon, ouverture du sachet. J'ai pris des petits gants comme ça pour mes enfants. Alors, des toutes petites paires. Et pareil, la qualité, franchement, elle est pas ouf. De toute façon, pour les gants, c'est tellement chiant. Donc, des petits gants comme ceci. J'en ai pris une petite paire de beige, une petite paire de blanc. Donc, c'était les 3. Et une petite paire de noir. Tu veux essayer les petits gants? Tiens, dis-moi s'ils te vont. Donc, des petits gants comme ça pour les enfants. J'ai pris ensuite, j'ai pris énormément de petits nœuds. Il y a des nœuds que je vais offrir et il y a des petits nœuds qui vont aller à la chouquette. Donc là, c'était un lot de 3. 3 petits nœuds. Et cela, c'est vraiment pour les bébés, j'ai envie de te dire, parce que tu vois, l'épaisseur derrière est super grosse. Donc, c'est nickel pour une grosse tête de bébé. Tu vois un peu l'idée. Ça, j'ai trouvé vraiment... Parfait, les petits gants, ils vont parfaitement. Donc, j'ai trouvé un petit lot comme ceci où il y en avait 3. J'ai trouvé franchement trop chou. Et ça, pour une petite pépette, là, petite pépette en été, mais c'est juste magnifique. Je trouve ça super joli, super beau. Et là, c'est bien parce que le nœud, après, je pense que si tu tires dessus, le nœud va se défaire. Mais bon, ça va, quand c'est bébé, ça se défait pas vraiment. Et voilà, super beau. J'aimais beaucoup les couleurs. Super joli. Oh, ça va, ils te vont bien, les gants? Super. Ensuite, j'ai pris encore des petits nœuds, mais je crois que là, il y en a pour la chouquette. Je lui ai pris... C'est pour toi, ça? Oui. Donc, la chouquette, elle a choisi. Mais par contre, ouais, ça va. C'est bien élastique. La petite chouquette. Donc, ça, c'est autant pour une petite fille de 4 ans. Elle est trop mignonne. Une petite fille de 4 ans qu'une toute petite fille. Donc, un petit nœud comme ceci, que je trouve super joli. La qualité est un peu plus élevée qu'AliExpress. Après, AliExpress, t'as plusieurs vendeurs différents. Par contre... Ouais, ça va. Celui-là, il est trop beau. Je trouve super beau, celui-là. Hop. Et ben moi, je l'adore. Et celui-ci, comme ceci. Très, très beau aussi. Tu préfères lequel, chouquette? Celui-là ou celui-là? Celui-là? Celui-là, tu le veux aussi? Ok, allez. Ok, tout ça pour toi. Pour la chouquette, alors, celle qu'a choisi aussi. Je lui ai pris des petits serre-têtes comme ceci. Avec des petits... c'est très très kitsch. Par contre là c'est collé aussi pareil. C'est des petits... Va là-bas. Mets-toi bien là-bas. Oh là là, c'est compliqué. Des petits... un petit nuage et une petite espèce de petite licorne. T'as un point de colle, mais bon c'est pas grave. Petite licorne comme ça. Ils sont super jolis. Ils sont super jolis, mais voilà, faut pas qu'elle tire dessus parce que c'est super fragile. Tu vois un peu l'idée. Tu fais attention? Tiens ma chouquette. J'ai pris des petits nœuds comme ceci, j'ouvre. Il y a beaucoup de choses pour toi, chouquette. Hein. Donc des petits nœuds comme ça. Là, la qualité, par contre, est pas mal parce que tu vois, c'est des petits nœuds avec des petites licornes comme ceci. Bon, c'est en plastique, hein, c'est tout mou. Mais ce qui est bien, c'est que tu as une espèce de sécurité derrière. Un truc qui te fait vraiment tout le contour de l'élastique. C'est mignon. Et en fait, un élastique et par-dessus, tu as une espèce de petit...
De petits tissus en plus. Donc très joli. Tiens, chouquette. Ah, c'est tout mis sur la tête. Ensuite, j'ai pris un pinceau pour mettre les masques aussi, mais il est vraiment tout petit. Il est minuscule. Il est minuscule ce pinceau. Je sais pas pourquoi j'ai pris un truc aussi petit. Tout petit, 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 petit. Mini pinceau des familles. Je me suis encore pris des petites épongettes. Hein, quand je vous avais dit que je m'étais lâchée niveau épongette. Super dur à ouvrir ça. Hop là. Il faut pas montrer aux enfants qu'il faut ouvrir des choses avec les dents. Et moi, j'ouvre des trucs avec les dents. Mais c'était pas prévu qu'elle était là. Là, par contre, vous en avez deux. Et c'est pareil, ça reste sous forme de tissu. Comme ceci. Par contre, de vous à moi, je préfère carrément celles qui sont en tissu dans le gros pot. Après, celles-là sont bien aussi, mais elles sont un petit peu plus grandes. Tu vois un peu l'idée. Ensuite, j'ai pris un autre article. C'est pareil, celui-là, je voulais vous montrer un peu la qualité du truc, parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux offrir, j'ai envie de te dire. Donc, c'est de la marque Shiglam. C'est le produit que j'utilise presque tous les jours. Hop, je vous montre comme ceci. Hop, c'est tout simplement une crème. Donc, moi, j'ai pris la couleur dark brown et c'est tout simplement une espèce de gel en fait pour faire les sourcils et c'est celui que j'utilise depuis que je l'ai acheté moi et ben du coup là du coup j'aurai une recharge et franchement à l'intérieur il y en a énormément. Par contre il est operculé, donc c'est pour ça que je peux pas te le montrer, il est operculé. Je te conseille en fait de garder l'opercule à chaque fois. Moi je garde l'opercule, pas comme les bouteilles de lait, donc comme ça quand je ferme je sais qu'il est bien sécurisé, qu'il est bien fermé et qu'il ne va pas sécher. Donc je suis super contente et tu vois le petit coffret est très qualitatif et franchement de toi à moi ça tient très très bien. Donc je te conseille de prendre celui-là à 100%. J'ai pris exactement la même couleur de mes sourcils. Voilà, j'ai pas changé de couleur et franchement celui-là je le kiffe. Pour un petit cadeau, j'ai pris un petit porte-clés comme ceci, mais franchement trop mignon avec des plein de petits nounours de toutes les couleurs. Je le trouve trop chou. Il y a vraiment plein. Je le trouve super mignon. Franchement super beau. Hop, il est vraiment très joli. Par contre, surtout qu'un peu dommage, c'est que les nounours, derrière, tu vois, ils sont plats. Ils sont pas en relief. Bon, c'est pas grave. Il est trop beau. Je trouve cette petite merdouille, je la trouve très très jolie. Pour ma chouquette, elle a tout, toutes les trucs sur elle. Pour ma chouquette, celle qu'elle a choisie, elle s'est choisie un petit bracelet comme ceci. Il fait rien. Pourquoi il est si gros que ça, mais il fait... Ok, c'est bizarre. Ok, il y a le truc qui s'en va là, mais je vois pas l'intérêt. En fait, peut-être qu'ils utilisent des pièces de d'autres choses parce que tu vois ça, ça fait un peu comme un bouton d'un truc. Mais ouais, je vois pas trop l'intérêt. La licorne est très jolie, petite licorne comme ça. Il est élastique, mais pas trop de ouf. Donc voilà, c'est cool hein, parce que tout ça j'avais prévu de lui offrir à un autre moment, toi-même tu sais. Mais donc du coup, elle va les avoir maintenant. Tiens ma chouquette. Et enfin, je lui ai pris une petite. Ah, je suis vraiment trop nulle. Je lui ai pris ensuite une petite montre comme ceci. Mais en fait, elle est vraiment... voilà, ça vaut pas le prix. C'est vraiment plastique de chez plastique. Hein, tu vois, c'est vraiment plastique de ouf. Et c'est une petite montre qui normalement est, comment dire... Voilà. Hop, par contre, c'est vraiment... Je sais pas quelle heure il est. Il est 15h. Il est 15h. Hop. Est-ce qu'elle te fait... Oui, ça c'est... Ah non, c'est chiant les montres, elles te font 12 heures. C'est pas... J'aurais préféré une montre comme ceci qui fasse... qui ne fasse pas le 12. Enfin, comment dire, qui ne soit pas en American. Tu vois un peu l'idée. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, une petite montre comme ça. Voilà. Mais de toi, moi, la qualité est pas fifou. Et pas fifou de chez fifou. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée, on était un petit peu dérangé par la chouquette. Au moins, j'ai testé les petites merdouilles de chez Shein, de toi à moi. Il y en a où je suis contente de la qualité, il y en a où je suis un petit peu déçue. Voilà, les merdouilles comme ça, c'est... Les trucs qui coûtent un bal au marché, c'est pas fifou de chez fifou. Après, comme je te l'ai dit, c'est sûr que pour ce prix-là, on peut pas s'attendre à une qualité de ouf malade, ça c'est clair et net. Il y a des tissus où je suis plutôt contente. Alors après, quand tu achètes sur AliExpress, n'hésite pas à regarder les avis des gens, tu vois, parce que ça, c'est vraiment... regarde, tu claques barre pour derrière, c'est vraiment de la grosse quincaille. Voilà, c'est... C'est vraiment de la grosse quincaille de ouf, donc j'ai bien fait de lui offrir maintenant. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Et mettre limite pour un enfant, c'est un peu dangereux.
Là, j'ai envie de te dire, un enfant qui met jusqu'à la bouche, c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, la qualité est vraiment pas ouf. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, si le cœur vous en dit, ou à vous abonner juste là, si le cœur vous en est aussi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.